Hi everyone, it's Jonathan again. I wanted to do an update video for my travel size bottles. I said that I would do one when I received them, and here they are. I finally got them. Took forever, but I placed the order on May 25th, I think. And they arrived this morning. Well, actually they were supposed to be delivered last Friday, but I wasn't here, so I couldn't get the paper signed and everything. And so the parcel went back to the warehouse. Excuse me. The parcel went back to the warehouse, and so I couldn't get it. So I had to, and this morning I checked the track with the tracking number and everything, and the website told me that the parcel wasn't delivered because the address was incorrect. So first time they find me, but I'm not here, and second time they just don't find me at all. I was like, are you kidding me? But anyway, I had to go pick the parcel myself. It took me 2 hours, but again, whatever, they're here, so. Here they are. They are 50 ml bottles. I'm sorry guys, I don't have the US measurement equivalent, but I guess 50, I guess you can tell by the size what they are. I mean, really. 50 ml, it's not that much, but you'll be able to try the products with, I think, quite nicely. It's about one or two showers, so that's quite nice. And it's about, yeah, one or two uses for practically everything, depending on your your daily dose of shower gel, hair treatment, or whatnot. So we have the bottles right here, and we have caps for shower gels. I didn't choose to order the ones with the, I don't know how it's called, so you know, the thing that you just click and that makes the shower gel pourable. This was cheaper, so for you and for me, so I was like, it's okay, it's fine after all. And the bottles are quite hard, so it's not quite easy to press and have the product come out. So caps here and pumps for my body lotions and hair treatments. I was afraid at first that they wouldn't fit correctly because this thing seemed way bigger than the opening of the bottle. But after all, well, whatever. I have to cut this first, but it fits. I checked. So, about the travel sizes. Again, 50 ml bottles, they are plain safe. They can pass checkpoint security in airports and everything. So you'll be able to get them with you, to take them with you. I think they're quite nice. They're just what you need to try the products, really. I will not be selling them separately, because after all, it's not that good. I will sell only them by pack. I mean, I will do 5 bottles pack and 10 bottles packs, because I think it's easier for you if you'd like to try some products or all of them. Just to pay once and for all and get 5 or 10 products, 10 bottles. So you'll for the 5 bottles pack, you'll have to tell me which product you'd like to have in your 5 bottles. And of course, for the 10, you may ask why, because you only have 8 products, Jonathan. Well, yeah, you'll be able to try all of them. So the 8 products that are currently available, but I will also put 2 bottles
Like this one of my next future products. I already talked about them in my previous video. And they are my pomegranate, clove, patchouli, and incense shower gel. It's finally complete. It's really, really nice. Really. I think it's really more a winter scent, but so I'm not sure that I'm gonna put the whole 250 ml bottle on my Etsy shop right away. I don't even have the label for them for the moment, but I think it's more for winter scents. So maybe in September, or I don't know. If you really like it, then of course I'll put the full bottle on Etsy. And the other one is my vanilla body lotion. Vanilla with tonka bean and jasmine absolute. So the 10 bottles pack will have all of this, my 8 products plus 2 exclusive products. I think so that'll be easier for me to send them to you. A whole pack of 10 bottles fits perfectly in one of my in my boxes. So it's just fine for me. And well, I thought that I would end the video right now, but after all, I think I will be doing just I will be just saying everything that I said previously in French. Because someone told me, well, you're French, so why do you speak English? Why do you speak English? And after all, I think she's right. I should do some French videos, after all. It'll be easier for me, of course. And maybe if you like hearing French, well, you'll be happy. So here we are, here we go. I'm gonna speak French now. Bonjour à tous. Donc, évidemment, en français, c'est beaucoup plus simple pour moi. Je vais essayer de parler relativement doucement pour que même les anglophones, mais qui sont un peu francophiles, puissent comprendre ce que je dis. Et évidemment, je vais dire la même chose que tout à l'heure. Donc, si vous comprenez que vous avez déjà compris ce que j'ai dit tout avant, ben, vous pouvez soit regarder, mais ce serait pas mal de continuer à regarder, soit simplement passer à une autre vidéo. Bref, donc il s'agit de mes bouteilles de 50 millilitres que j'ai reçues ce matin, ou du moins que je devais recevoir ce matin, mais que j'ai dû aller chercher moi-même. Parce que la première fois, le paquet n'a pas été livré parce que je n'étais pas là. Mais ils avaient trouvé quand même là où j'habitais. Et ce matin, ils devaient le livrer, mais ils ont dit que l'adresse était incorrecte. Donc, bref, peu importe. Une bouteille, donc, les voilà, donc la bouteille de 50 ml, qui est parfaite pour une dose d'essai. Des capuchons pour les gels douche. C'est bien plus simple d'avoir un capuchon comme ça plutôt que celui avec le petit. Vous voyez de ce que je parle. Parce qu'en fait, les bouteilles sont trop dures pour pouvoir être vraiment pressées. Donc, ça n'aurait pas marché avec le petit truc qui permet de l'ouvrir. Et puis, après tout, c'est moins cher. Donc, c'est moins cher pour vous comme pour moi. Donc, tout est bon. Et puis, il y a les. Nanana, il y a les pompes. Les pompes pour mes traitements capillaires et pour mes crèmes corporelles. Je pensais au début que le capuchon, enfin la pompe ne rentrerait pas dans la bouteille parce que je pensais que c'était beaucoup plus grand que l'ouverture de la bouteille, mais finalement, ça rentre parfaitement. Alors voilà, mes bouteilles de 50 millilitres. Elles seront donc à vendre sur Etsy soit demain. Mais j'y crois pas trop en fait. Peut-être d'ici à la fin, avant de la fin de la semaine, ça c'est sûr. Peut-être demain vraiment, si j'ai la force de faire les photos et de faire les produits tout en même temps demain. Alors oui, je ne les vendrai pas séparément parce que je pense que c'est plus facile pour vous, comme pour moi d'ailleurs, c'est plus facile pour moi de faire 5, je les vendrai en fait par paquet. Un paquet de 5 bouteilles et un paquet de 10 bouteilles. Le paquet de 5 bouteilles, vous aurez simplement à choisir quel produit vous souhaiteriez essayer,
Et je ferai les 5 produits correspondants en taille de voyage, on va dire. En petite taille. Ça vous permettra de tester correctement, puisqu'en fait, ça fait à peu près 2 ou 3 doses de shampoing, de gel douche ou 2 doses, enfin ça dépend. Ça dépend de comment vous vous en servez. Et donc, je pense que comme ça, vous pourrez facilement tester et vous faire une idée des produits. Donc oui, je vendrai donc par paquet de 5, un paquet de 5 bouteilles comme ça, où vous aurez à choisir les 5 produits que vous voudriez essayer. Et je vais également vendre un paquet de 10 bouteilles. Alors pourquoi 10? Puisque en fait, je n'ai que 8 produits. Tout simplement parce que je vais également vendre dans ce paquet de 10 des petites bouteilles de ce style-ci, de ce style-là, pardon, qui contiendront en exclusivité. Oups. Mon gel douche à la grenade, à l'encens, au patchouli et au clou de girofle, qui est une vraie petite merveille. Je pense avoir trouvé son nom, mais je vous laisserai le découvrir sur le site, c'est quand même vachement plus marrant. Il sent vraiment, vraiment bon. Alors, c'est plus une odeur d'hiver, à mon avis, d'hiver, d'automne, d'automne-hiver. Mais c'est pour ça donc que je le vendrai uniquement dans le paquet des 10 bouteilles, en plus, en bonus, on va dire. Et pas en bouteille de 250 millilitres. Mais si jamais, je pense que je vais plutôt le vendre d'ici septembre-octobre en grande bouteille. Mais si évidemment ça vous plaît et que vous en avez vraiment envie, évidemment je le ferai plus rapidement. Et puis l'autre produit sera donc ma crème corporelle à la vanille, à la fève de tonka et au jasmin, qui sent merveilleusement bon. Vous allez vraiment l'adorer, je pense. Elle aussi, c'est plus une odeur chaude qu'on aimerait avoir sur soi, je pense, pour des mois un peu plus frais. Donc, du coup, je ne suis pas sûr que ça ira en été. Mais bon, ne sait-on jamais. Elle pourrait apparaître en grande taille rapidement. Donc voilà, vous aurez donc dans le paquet de 10 bouteilles l'ensemble de mes 8 produits, plus les 2 produits bonus que vous avez vus. Et vous, donc, vous pourrez tout tester en un coup. Oups. Voilà, je pense que j'ai un peu tout dit. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Portez-vous bien et donc à très bientôt. So guys, I just said that, so you just heard me speak French. Hope you liked it. Hope you understood some of what I said. If you are French, I don't know how you say this in English actually. Well, if you like hearing French or if you understand some French, I just need to say something about when they'll be available. Actually, I said it in French, but I'll say it in English. I don't think they'll be available tomorrow, but rather by the end of the week, because I really have to take some pictures and to do the products, just to show them to you in the bottles. So I'm not sure that I'll have the strength to do everything tomorrow. So I think by the end of the week they'll be available. I think that's all. I hope you liked the video. Have a great day and see you next time. Bye bye.